Donc nous allons partir du coup maintenant sur Kingdom Hearts Re-Chain of Memories, qui est sorti à la base sur Game Boy Advance, si je dis pas de bêtises. C'est la suite chronologique normalement, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Salut Pandawan. Donc on va voir ce que donne ce jeu là, sachant que le premier n'a pas forcément, ne m'a pas forcément beaucoup plu. Donc on va voir si c'est toute la licence ou s'il y a juste ces jeux là. On va voir. Donc on a Sora. Ok. La nouvelle partie hein, du coup. Salut Sacha. On va être en mode normal, hein. On va pas chercher. La vibration avec, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Et oui Sacha, il y a le choix de qualité normalement. Tu es heureux. Le choix, oui. Alors, du coup. On aura encore le droit à une musique nulle ou... Donc ça, ça rappelle ce qu'il y avait dans le 1. Oh non, putain. Ils ont mis une musique... Musique nulle, bonjour, non là c'est... Au moins, il garde... Il regarde la direction musicale qu'il y avait eu dans le 1. Voilà. Mais l'avantage c'est qu'on a eu un petit résumé là de ce qui s'est passé dans le 1. Là c'était le monde d'Hercule, là c'est le monde de Winnie. Le monde de la drogue, hein, on se souvient. Peter Pan, monde imaginaire. Agrabah avec Aladdin, Pinocchio dans le corps de Monstro, le monde de la petite sirène, le monde d'Halloween. Bon là c'est la bête dans le dernier monde. Riku qui est un gros con, Kairi, Dark Vador, Maléfice qui est tué par Riku. Là c'est quand il se suicide entre guillemets pour rendre son cœur à Kairi. Riku qui est pas content. C'est quand Kairi nous redonne notre forme réelle, son porte-bonheur, ça va trop vite. Et après ouais c'est Ansem avec le boss final nul. Il faut aller juste bourrer. Thème song, bah Utada Hikaru est pas terrible. Et là, c'était la porte du monde des lumières qu'on refermait. Derrière, il y avait Mickey avec sa Keyblade. Il y avait Riku. Et nous qui refermons. Alors, allez hop, pour cause de musique hachée, la sentence sur la désinstallation du jeu. C'est un jeu PS4. Hein. C'est moi où le stream freeze un peu de temps en temps. Je sais pas, j'ai pas de... Enfin, sur mon retour, je vois pas de problème. J'en ai un très bon souvenir sur GBA, mais le gameplay avec les cartes, ça doit pas être ouf sur PS4. Bon, on verra, hein. Sachant que là, c'est Re-Chain of Memory, donc c'est le... Ouais, mec. Ah, et là, c'était la fin, donc, de Kingdom Hearts 1, du coup. Où, du coup, il y avait une lettre de Mickey, et nos personnages suivaient Dingo. Plutôt, pardon. Moi de vous plutôt. Non, plutôt c'est le chien de Mickey. Bon, dites-moi si vous avez des petits frises comme Dédé l'a dit ou si c'est son imagination. Along the road ahead lies something you need. Ah. Dark Vador. However, in order to claim it, you must lose something that is dear to you. Et le jeu, forcément qu'il est moche à la base, c'est un jeu Game Boy Advance. Donc calme-toi.
Ah, là, c'est très moche, par contre. Ou alors, c'est son dessin qui... Enfin, elle sait pas dessiner. Il y a bien des frises. Moi, je vois pas de... Sur mes retours, j'ai pas de soucis. Ah si, là. Effectivement, il y a des petits freeze. Je crois que la capture qui freeze un peu. Je vais relancer la capture alors. Bah, j'attends du coup que ça finisse. Bah, qu'il se soit plus en cinématique. Là, c'est flou par contre. Oui. Et mec, il y a 2 minutes, ils étaient dans une plaine, là ils sont dans un monde bizarre avec un château. Hey, you think it's okay to barge in? But we gotta do it if we can afford the king. Depuis quand on rentre chez les gens comme ça? King Mickey's here? Something just told me he'd be here, okay? Really? Cause now that you mention it, I was kinda thinking the same thing. Seriously? Me too. One look at this castle, and I just knew. Our very best friends. They're here. Yeah, guess great minds think alike. Wait, hey, hold on. It can't be just a coincidence. Oh no, Timothy. You don't mean that. Yep, I had it too. Mm-hmm. I had the exact same feeling. Gorge, maybe it's contagious. No, no, something's screwy. We gotta go take a look. All right. La voix de Sora a changé, non? Where are you going? That way, to the door. Are you scared? Ah, don't be ridiculous. Come on, let's go, Goofy. Hey, fellers, shouldn't we shut the door behind us before we go? Sora! Et Dark Vador! That's it. Who are you? C'est Dark Vador. Tu es inutile, Donald. Ah. I should think it's obvious. The moment you set foot in this castle, you forgot every spell and every ability oh ben, you ever knew. Ça arrange bien pour le jeu, ça. In this place, to find is to lose, and to lose is to find. That is the way in Castle Oblivion. Castle Oblivion? Here you vous avez encore des frises ou pas? That you have known in the past. And you will meet people you miss. I miss? Riku! You mean Riku's here? If what you want is to find him. Ah, c'est joli, il disparaît dans des petites pétales. What'd you do? I merely sampled your memories, and from them, I made this. To reunite with those you hold dear.
What's this? A card? It is a promise for the reunion you seek. Hold the card to open the door, and beyond it a new world. Proceed, Sora. To lose and claim anew, or to claim anew only to lose. Il est long celui-là, j'en sais rien moi. Come on, let's go. J'ai à peine commencé, j'en sais rien moi de la durée de vie. Ville de traverse, ok. Vous m'avez pas dit si vous avez encore les petits lags. Alors, joystick gauche. Bon, bah, pour l'instant, j'ai pas trop le choix. Hein. Un étranger qui dit à un gamin de le suivre, j'appelle la police. Parce que s'il y a pas eu de petits lags depuis, moi je. Comme ça, je touche à rien. Ah si, là j'en ai vu. Hein. Impossible. Bah, dès que je pourrais mettre pause, c'est la ville de traverse. Tout ceci n'a rien de réel. C'est une illusion créée par tes souvenirs contenus dans cette carte. Mes souvenirs? Putain, il y a des souvenirs vachement précis. Hein. Oublie ça, Sora. On a perdu Donald et Dingo. Donald? Dingo? Où êtes-vous? Que leur as-tu fait? Ils sont à la merci des cartes maintenant. Maîtrise ces dernières si tu veux les retrouver. Ah. Comme l'exigent les lois de ce manoir, tes amis ont été changés en cartes. Ramasse ces cartes si tu tiens réellement à eux. Ah. Ok. Les cartes ramassées se placent au début de ton jeu. Certains pour que tes amis viennent t'aider. Une fois utilisées, les cartes disparaissent, mais il leur arrivera de revenir. Ces cartes sont le cœur de tes amis. L'ensemble de ce manoir obéit aux lois des cartes. Yogi. Devant une porte ou face à un ennemi, tu devras utiliser des cartes. Mais sache que ta force est importante aussi. Déplace-toi puis utilise des cartes. Tu sais désormais utiliser ta force, mais il faut savoir garder ton adversaire en ligne de mire. Voyons si tu pourras m'attraper. Bien. Chaque action provoque la disparition d'une carte. Oh, excusez-moi. Une fois que toutes tes cartes ont été utilisées, tu ne peux plus rien faire. Mais il existe une solution. Vas-y, épice toutes tes cartes, je vais te montrer. Voilà, tu n'as plus de cartes et donc plus aucune force. Tu dois te concentrer pour récupérer tes cartes. Utilise ta volonté pour les faire revenir. Waouh. Ok. C'est la volonté de ton cœur qui a fait revenir ces cartes. Tu peux rappeler des cartes à tout moment. Il suffit de le vouloir. Mais si le temps requis augmentera à augmentera à chaque rechargement. Tes cartes sont limitées, alors utilise-les intelligemment. Anticipe lors des combats. Et sélectionne les meilleures cartes de ton jeu. Ah d'accord, c'est comme ça.
Donc en bas, il existe 4 types de cartes regroupées en 2 grandes catégories. La première comprend les cartes attaque, magie et objet. La seconde, toutes les cartes malus. Tu peux changer de catégorie à tout moment. Ah d'accord. Ça c'est les malus, ok. Les cartes te servent à attaquer et à te défendre. Mais c'est à toi de décider quand frapper et quand te protéger. Ne l'oublie pas. Vous allez bien? Où étiez-vous? Aucune idée, on a vu une lumière bizarre quand tu as ouvert la porte et... Après plus rien. Ça ne nous aide pas beaucoup. Tâchez de vous rappeler ce qui s'est passé. Je dois tenir mon journal à jour. Hey Donald, d'où sortent mes nouveaux habits? Quack, moi aussi Dingo. Quelqu'un a transformé nos vêtements. Est-ce un coup des cartes? Ça, c'est à toi de le découvrir. Maîtrise les cartes et explore le manoir. Néanmoins, tu vas devoir y aller seul. Seul? Sora ne peut pas y aller seul. C'est vrai, il ne peut rien faire sans nous. Oula, calme-toi. Merci Donald. Tu es sûr que ça ira? Bien sûr. Tu veux que j'y aille seul? Ok, je n'ai besoin de personne. Le héros ne manque pas d'arrogance. Va, le reste du manoir Oblivion t'attend. Explore ta mémoire endormie et tu rencontreras quelqu'un qui t'est cher. J'ai un très mauvais pressentiment. Détends-toi, Jiminy. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je reste sur mes gardes. Ça ne doit pas être bien sorcier d'utiliser ces cartes. Je n'ai qu'à en brandir une devant cette porte. Carte d'ouverture. Ils se sont pas fait chier, hein, putain. Vous pouvez réaliser les actions suivantes sur le terrain. Se déplacer, observer, recentrer, ouais. C'est Keyblade, sauter, roulade, ouais. Elle va... Attends. Ma volonté, pizza d'il y a 2 jours, reviens à moi. C'est méchant, gentil, je ne comprends pas. Bon, on sait pas qui c'est pour le moment. Elle va te revenir déjà manger. Pour la question de la durée de vie du jeu, il y a un New Game Plus avec Riku. Je fais pas de New Game Plus. Ça, c'est un nom. Frapper des éléments du terrain avec la Keyblade produit différents résultats. Essayez de frapper Stone. Une carte! Hein? Glacier, ok. Le soulever, machin. Il trinque pour soulever. Ok. Je vais juste mettre. Pause. Je ne peux pas mettre pause, mais a priori je pense pas que je vais me faire attaquer. Du coup je regarde vite fait pour régler ce problème de capture. Du coup je vous mets hop sur cette scène là en attendant. Et je vois. Okay. Du coup déjà. Hop. Bougez pas. Bruit de Windows. Ouais. Ah merde, c'est chier. Attendez, hein. Hop. Non, bah non. Calmez-vous. Hop. Voilà. Et là, ça devrait aller mieux. Hop. Parfait. Ça. Et là, ça devrait être bon. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je corrige le problème de petits freeze.
Normalement, vous devriez plus en avoir. Donc du coup, faut que je porte une caisse. Si vous touchez un sans cœur, un combat débute. Mais il est possible de prendre l'avantage en frappant le premier. A plus, Sacha. Ah. Ah non, je m'en fous de ça. Vas-y. Eh bah, mais va sur l'ennemi. Mais il sert à rien. C'est dingue ça. Lieu paisible. Ouvrez une porte, passez-vous devant et appuyez sur triangle. Bah, mais attends, je veux voir s'il n'y avait pas d'autres trucs. Genre ces caisses là. Voilà. Et des boules. Ah mais du coup, ah ça c'est horrible par contre. J'avais commencé à prendre l'habitude de flotter. Ah mais c'est trop bien. Je sais pas ce que c'est hein. Mais... Du coup, il faut une carte lieu pour pouvoir accéder à la pièce suivante. Les cartes lieux servent à créer de nouvelles pièces. Pour commencer, choisissez la carte lieu à utiliser. Espace sécurisant, clé d'ouverture, lieu paisible. Ah, du coup, on a la taille et le nombre de 100 cœurs. Ok. Ah bon, ils veulent que je mette celle-là, du coup. Le chiffre affiché au milieu de l'écran indique les critères requis pour ouvrir la porte. Ici, la porte s'ouvrira avec une carte de valeur égale ou supérieure à 1. Vous devez donc choisir une carte répondant à ce critère. La valeur des cartes va de 0 à 9. Les cartes 0 sont des passe-partout. Les cartes sans valeur précisée sont des cartes clés. Elles n'ouvrent que des portes spéciales. Le cristal qui tourne devant Sora est un point de sauvegarde. J'ai sur les triangles, ça c'est comme le premier. Pas une carte. Soin. Cool. Du coup, on va faire une petite sauvegarde. Ok. Vous avez plus les petits frises d'ailleurs? Du coup, là, on va mettre une carte lieu paisible. Donc là, je suis dans un lieu paisible. Merde. Ah! Non, ils m'ont contré. Ah du coup là ça vaut le coup. Hop. Là j'ai récupéré mes cartes. Oula, 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 calmez-vous. Aïe. Ah, attendez. Ah non, j'ai pas de truc comme ça. Deal.
Ah oui, d'accord, c'est de plus en plus long, effectivement. Chut, ben non. Ah, on peut fuir les combats, c'est cool ça. Ok. Et là je les counter. Ok, je comprends. Je commence à comprendre un petit peu. Terre d'amitié. D'accord. Bonus extra. Super. Niveau plus booster, apprendre un tour. Je sais pas ce que c'est. Ouais, j'ai pris rapprocheur. Laisser vers des ennemis éloignés pour les frapper à bout portant. Trois cartes attaquent du même type. Ok. Oh, on peut les entamer comme ça gratuitement. Mais... Je te défonce. Les zéros sont les plus forts. Ah bon? Non, tu manges. Un booster de HP, forcément. Chaîne royale 3. Du coup, comment ça marche? Je. Ça marche, sans dire. Hop. Une carte de soin qu'on va mettre là. J'ai une carte de 3 comme ça, ok. Donc on peut avoir plusieurs jeux. Raccourci. Ah non, calmez-vous. Raccourci. À ceux qui coûtent le moins cher. Bon. Pour l'instant, hein, je sais pas trop comment ça marche. On verra ça par la suite. Je suppose que c'est intéressant de faire des combats pour gagner des cartes. Merde. Mais non. Boum. J'ai gagné quoi? Zone de pesanteur. Ok. Non, j'allais lui envoyer le tonneau. Ah putain, la baisse. Merde. Goofy! Il ne servira à rien encore une fois. Oh, j'ai rien dit. Ok, t'es le meilleur cette fois-ci. Oh, je l'ai récupéré. Non! Mon cast. Mais. Allez! Trop bien. Salle noire. C'est raciste. Du coup là j'ai deux portes. Celle-là il y a une couronne. Celle-là il y a rien. J'ai bien envie d'aller à l'autre du coup. Sauf qu'ici avant. Ah, on peut pas le casser ça, ok.
Là, il y a lui. Faudrait que je le tape avant, ça me donnera un avantage. Du coup, hop. Ah, je peux pas attaquer pendant qu'il joue. Oh non, la baisse. Ok. En vrai, j'avais genre envie de tester un truc là. Là, j'ai rien, ok. Ah non. C'est un peu galère, hein. Non, ça, on s'en fout. La logique entre les cartes est compliquée. Lieu mollasson. Moins 2. Je vais prendre de la vie en plus parce que pour l'instant je suis pas confiant. Il y a des choses que je comprends pas encore parfaitement. Déjà. Ok. Elle. Non! Merde. Mettre là. Non, ah! C'est galère, hein. J'appuie sur le bouton pour classer, mais ça marche pas. Ok. Ça, j'aurais bien voulu mettre là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Plan. Critère de création de pièces. Donc là, il faut un truc de 1. Et là, il faut un truc de 3. Mais carte lieu. Alors ça c'est une quoi? C'est une 8. Pièce infestée de sang cœur aux cartes faibles. Pièce uniquement infestée de bolets noirs. Si vous avez des alliés, une carte alliée tombe dès le début du combat. C'est pas une carte lieu ça? Pièce infestée de sang cœur qui se déplace lentement. Ok d'accord. Il y a un petit délire comme ça. Carte du monde. Là ok, c'est les cartes comme ça, d'accord. Ok. Du coup, moi j'ai envie d'aller à celle-là en premier. Alors attendez. J'ai pas eu le temps. On peut pas cibler, c'est de la merde. Aïe. Oh. Attends. Calme-toi. Non, ma carte. Ça se passe pas comme je veux. Ah, c'est de la merde. Pourquoi des fois ça me cancelle des cartes? Ça par contre je ne comprends pas. Ah là je comprends parce qu'ils font des breaks. Mais des fois j'ai l'impression que ça me deny des cartes. Oh le matériel. Là c'est une carte à 3. Ah j'ai rien qui vaut 3. Donc je ne peux pas l'ouvrir. D'accord. Là c'est une carte à 1 donc j'ai... Les portes ornées d'une couronne sont particulières. Pour les ouvrir, il faut des cartes spéciales appelées carte-clé. Ah. Mais posséder une carte-clé ne suffit pas. Pour la carte-clé ainsi qu'une... Ok, d'accord. Donc du coup, j'aurais besoin de ça. Et... Là, c'est carte 1 et j'ai celle-là. Mais celle-là, c'est 0 et 1. Donc c'est un peu un joker, ils avaient dit. Donc je vais prendre ça. Si tu peux. Donc si je mets la carte 8, ça marche aussi. Je pensais qu'il fallait vraiment le numéro fixe. Oh, j'irai après au pire. Ah, donc là on est dans la troisième zone de traverse. Combattre seul n'est pas aussi simple que ça. Ah! Vous m'avez fait peur à surgir comme ça.
C'est pas de notre faute, on ne sait pas ce qui se passe. Oh! Je le fais avec la voix de dingo même. Pluto? C'est de plus en plus bizarre, que fait Pluto ici? Ça a rien de bizarre, on est arrivé dans la ville de Traverse avec Pluto, non? Ah bon? Une minute. D'après mon journal, vous êtes arrivé en ville avec Pluto avant de rencontrer Sora. Quack, il a raison. On courait après Pluto et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans le manoir Oblivion. Mais c'est la ville de Traverse ici, non? Non, ce n'est pas tout à fait la ville de Traverse. Je crois que la carte a créé cette ville de Traverse dans le manoir d'Oblivion. C'est quoi cette histoire? Je comprends rien. C'est basé sur tes souvenirs. Je sais pas où on est, mais il faut qu'on batte tous ces sans cœur. Ça devrait nous mener quelque part. Faites attention, ou ce sont les sans cœur qui vont vous battre. Est-ce qu'il appelle Squall ou Léon? Attention. J'ai peur. Parlez-moi de vous. Léon, mais putain, mais non, c'est Squall. Eh, hey, putain, mais personne m'a rien dit, là, on n'est pas sur la bonne scène. Léon, c'est toi, que fais-tu dans le manoir Oblivion? Le manoir Oblivion? De quoi parles-tu? Ici, nous sommes dans la ville de Traverse. Comment connais-tu mon nom? Et qui êtes-vous? C'est la première fois de ma vie que je vous vois. Arrête de plaisanter, Léon. On a combattu les 100 cœurs ensemble, tu le sais bien. Je vois pas de quoi tu veux parler. Je ne connais même pas vos noms. Ah bon? Non, c'est... Ah bon? Quoi? Désolé. Ça, t'as rien dit. Bah si, tout le monde. Oui, oui. Mais c'est insensé. Comment as-tu pu nous oublier? Je regrette, mais vous devez me confondre avec quelqu'un. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Sora. Tu as dit son nom? Hein? Mais comment est-ce possible? Tu crois que Léon se moque de nous? Si c'est le cas, ce n'est pas drôle du tout. Qui se moque de qui, Dingo? C'est toi et Donald qui... Hé! Hey! Je comprends pas. Qu'arrive-t-il à ma mémoire? Qu'est-ce qui se passe? La musique est sympa derrière. Va savoir, Léon. Peut-être qu'Aerys avait raison, après tout. Elle a senti un pouvoir mystérieux. Alors, elle nous a demandé d'aller voir. Effectivement, tout ça est très mystérieux. On devrait peut-être amener Sora voir Aerys. Yuffie, tu connais mon nom? Bien sûr, et on dirait que tu connais le mien aussi. Tu le connais? Inconnu au bataillon, et pourtant je sais comment il s'appelle. C'est bizarre, mais au moins, ça évite de faire les présentations. J'avoue. Eh, mais comment ça se fait que je n'ai plus que 114 madeleines? J'en avais 3K avant. Est-ce que c'est en renommant la chaîne? Non, ça serait bizarre. Décidément, ton sens de la logique me déroute, Yuffie. Bon, je vais prévenir Aerys. Toi, Léon, fais-leur donc visiter les lieux. A plus tard. Bon, ça sert à rien de tergiverser, suivez-moi. Et faites attention, la ville est infestée de sang-cœur. Je ferais mieux de vous apprendre à vous défendre.